occupez-vous des légumes et je vais faire le poisson. Eh, une minute. C'est mon poisson, c'est moi qui l'ai attrapé. Et c'est moi qui le ferai cuire. Mais il l'a pêché avec ma lune. Et qui a déterré les vers pour un pâté? Qui les a accrochés à l'hameçon? Et cet hameçon, il était à moi. Oh, ça suffit comme ça. Je vais mettre le réchaud en route et nous le ferons cuire tous les trois. Et nous le mangerons tous les sept. D'accord. Épluche les pommes de terre. Ouais. C'est une des meilleures inventions de prof. Avec une vieille boîte et des bouts de ficelle, en moins de deux, il nous a fabriqué un épluche pomme de terre. Je vais couper les tomates en rondelles. Youpla. Oui. Ce réchaud est vraiment dégoûtant. Pourtant, je l'avais nettoyé la dernière fois. Il y a sûrement quelqu'un qui s'en est servi. Ça ne peut être que glouton. Mmh. Belle. Les tomates, regarde. Oh, ça alors. Mets-les dans une assiette, je ferai la sauce tout à l'heure. Salut. Tout va bien? Où est Glouton? Il n'est pas arrivé. Il a trouvé à manger ailleurs. Qu'est-ce qui cuit? Je meurs de faim. Maintenant, capitaine, le poisson. D'accord, Belle. Je ne comprends pas pourquoi Glouton n'est pas là. Il sait pourtant qu'on prépare un festin. Je suis sûr qu'il n'a pas dormi de la nuit en sachant ce qu'on mangerait aujourd'hui. Il n'est plus là. Qu'est-ce que c'est pas gentil. Qui a fait ça? Glouton. Nous du comité avons décidé que pour avoir volé notre poisson, Glouton est banni du groupe à partir d'aujourd'hui pour la durée d'un mois. Oh, c'est pas juste! J'ai jamais touché à votre poisson, je sais pas de quoi vous parlez. Il a fallu que j'aille chez ma tante, c'est pour ça que je suis en retard. Je veux pas rester dehors, je veux pas être banni, je suis innocent. C'est la bagarre que vous voulez, vous allez la voir. M'accuser d'avoir mangé votre espèce de vieux poisson, ça se passera pas comme ça. Ah! Glouton, va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il y a quelqu'un avec Glouton. Ouais, ça va. Je vais m'en aller. Allons-y. Voyez-vous, c'est... Vous avez volé notre poisson. C'est vrai. Glouton, je crois que nous devons te présenter nos excuses. C'est exact. Et avec 4 sacs de bonbons, 3 éclairs au chocolat et 3 tartes. Nous sommes désolés, tu n'auras que des excuses. Ouais. Oui, moi aussi je suis désolé, je vous ai causé des embêtements, mais j'étais affamé. On vous excuse. Ma guitare. Est-ce que vous êtes chanteur? Eh oui. Comment vous appelez-vous? Sidney. Sid Jones. C'est pas un nom connu, ça? Pas pour l'instant. Ça ne m'étonne pas. Regardez-vous. Que veux-tu dire? Tous les chanteurs pop ont l'allure que j'ai. C'est peut-être ça le problème. Vous n'avez aucune personnalité. Pourquoi n'essayez-vous pas d'être différent des autres? C'est vrai, ça. Il vous faudrait une présentation nouvelle. Un son nouveau. Vous devez avoir raison. D'abord, la guitare, c'est démodé. Il vous faut un nouvel instrument que personne ne connaît. Vous savez, je crois qu'il faut qu'on vous prenne en main. Qu'on s'occupe de vous. Tout le monde est d'accord? Oui. D'abord, faut changer votre nom. Quelqu'un a une idée? Oui. Que pensez-vous de... Le chevalier plus mouvant? Le cavalier mousquetaire. Le cavalier cavalant cavaleur qu'a volé notre poisson. Ça suffit, Glouton. J'ai trouvé. Le doux cavalier. Le doux cavalier. Oui. Le doux cavalier. Oh, j'ai retrouvé l'erreur, Sidney. Ce sont 2 fils croisés. Ça ne sera pas long à arranger, rassurez-vous. Non, merci, prof. De toute façon, il faut que je parte. Oh, Sidney, n'abandonnez pas. Je suis sûre que vous aurez du succès. Je n'abandonne pas, Tigrette. Je vais commencer, c'est tout. Merci à vous tous. Je sais enfin où je m'en vais. Plus jamais de chansons contestataires pour moi. On se reverra. Au revoir, les gars. À bientôt, les filles. Au revoir. I know.